Salut les champignons, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Legend of Mushroom. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de partager quelques astuces sur le manoir ou la ferme, moi je l'aurais plutôt appelé la ferme, mais c'est le manoir, pour savoir comment l'utiliser au mieux et en tirer le meilleur parti. Vous le savez, c'est très important parce que ce que vous allez récupérer, les fameux paniers de fruits, vont vous permettre de faire au mieux les events de rush de prière, ou tout simplement faire vos prières en dehors des événements de rush, mais c'est peut-être pas le but non plus. Bref, donc on va aller regarder un petit peu tout ça et je remercie encore Grid de m'avoir partagé également toutes ces astuces et conseils. Alors avant qu'on démarre, je vous rappelle que si vous investissez un peu d'argent dans le jeu, Aptoid est votre allié, c'est 15% de cashback minimum sur tous vos achats et ça monte jusqu'à 35% avec les dates d'extra cashback et le mode VIP d'Aptoid. Ça vous prend 5 minutes top chrono pour l'installer sur votre PC ou votre téléphone. Vous avez la vidéo en description qui vous explique tout ça. Vous trouverez le lien. 5 minutes top chrono et vous êtes déjà très nombreux à avoir sauté le pas. Tout ça avec le code MUSH hein, qui vous donne 5% de cashback jusqu'au 17 juin. Au-delà, j'aurai un autre code, donc restez bien connectés pour ne pas euh, perdre ces 5% de cashback. Vous pouvez aussi installer Legend of Mushroom sur votre ordinateur avec le lien de Bluestack, l'émulateur euh, que je vous recommande pour jouer sur votre ordinateur. Et enfin, si vous voulez rejoindre une communauté française de Legend of Mushroom sur Discord, vous trouverez également le lien en description. De la vidéo. Tout se passe en description de la vidéo pour résumer. Allez, maintenant que c'est dit, je vous remercie pour votre soutien et je vous propose tout de suite que nous allions faire un petit point sur le manoir ou la ferme, comme vous voulez. C'est parti. Alors le manoir ou la ferme, mes amis, est un élément extrêmement important. Volontairement, je n'ai rien fait dans le manoir et la ferme. Et on va donc aller euh, rapidement refaire un point là-dessus. Donc, nous avons des graines, vous le voyez, des graines basiques, des graines avancées et enfin des graines ici exceptionnelles. Donc, les exceptionnelles donnent quand même beaucoup, beaucoup. Euh, effectivement d'offrande de fruits. Vous retrouvez donc des bâtiments, plus vous allez récolter, plus vous allez pouvoir monter euh, des euh, bonus. Donc on a des graines quotidiennes plus importantes, des bonus de quantité de récolte, de vitesse de croissance. Ici c'est de l'attaque, de la def et bonus de quantité de récolte et là attaque, def et bonus de vitesse de croissance. Je vous en avais parlé dans les 10 astuces. Je vous recommande d'abord de monter ce bâtiment là, puis ce bâtiment là et le dernier, le champignon en haut. Bon vous allez récolter puis vous allez aussi débloquer des parcelles. Ça c'est l'élément important. Donc, doit se poser une question les amis par rapport à votre fréquence de jeu. Donc là, on va faire la récolte de qu'on a lancé la veille. Hop Et on va récupérer comme vous le constatez beaucoup d'offrandes de fruits puisque j'avais utilisé mes graines exceptionnelles. Donc, pour pouvoir tirer le meilleur parti, il faut déjà se poser la question: est-ce que je vais souvent sur le jeu Est-ce que j'y vais pas mal ou est-ce que j'y vais peu Si c'est peu, Autant que possible, essayer d'aller sur les graines exceptionnelles. Si c'est euh, intermédiaire, on va commencer dans un premier temps par aller planter les graines basiques qui peuvent nous donner euh, des récoltes basiques comme des récoltes plus élevées. Donc regardez, là on a lancé et on voit qu'ici on a des choux, donc qui est le minimum. Et là on va récolter des, des aubergines. Euh, oh c'est bizarre, tiens, mes aubergines elles, elles récoltent moins. Pour moi c'était un peu plus qui peut être converti en 3 attendez on va aller au bout donc vous appliquez l'engrais vous avez l'engrais normal qui vous est donné quotidiennement voilà on va aller l'appliquer sur les deux comme ça on va les vérifier hop ma petite récolte et donc là 228 et là 95 donc si effectivement c'est parce que on en convertit 3 donc les aubergines sont plus intéressantes hein. c'est bien ce que je pensais c'était bizarre j'avais pas vu ça hop et donc on ple on fait ces graines basiques et on utilise ça. C'est valable pour ceux qui se connectent régulièrement ou beaucoup dans la journée. On essaye d'utiliser un maximum l'engrais sur les récoltes. Voilà, comme par, ex par exemple ici d'aubergine Donc une fois que c'est fait, j'arrive au bout de mon engrais. J'en ai plus. Je vais aller utiliser, alors soit en regardant une pub, soit vous avez activé la carte nos pubs, euh, l'engrais qui m'est proposé. Voilà, ici au quotidien. Et là, on va aller aussi le faire à cet endroit. Et on va continuer à utiliser nos graines dites basiques. Voilà. Donc les graines basiques, je vais pouvoir, euh, d'une certaine manière, aussi, avec le système de pub, en euh, utiliser. Alors j'évite autant que possible d'utiliser des engrais au rendement sur euh, des petites... Euh, enfin, des graines hors. Autre que exceptionnel donc là vous voyez j'ai une culture légendaire hein. ça je vais utiliser plutôt ceci et c'est pour ça que les graines basiques sont intéressantes parce qu'elles sont aléatoires mais quand elles vous donnent 950 les graines basiques on est bien content de les avoir hop on retourne ici on va utiliser l'engrais normal voilà on va récupérer et là on a en dehors de ça que des fous donc là c'est moins intéressant Hop, et donc on n'a plus de graines basiques. On peut aller en récupérer encore ici. D'accord? Donc là, on va refaire un petit tour de graines basiques. Et on va arriver au bout de notre engrais, les amis. Donc là, il va falloir prendre des décisions. On récupère encore des aubergines, très bien. Et l'idée, c'est de ne pas utiliser ces graines de rendement. Donc là, on va se, se re repartir dans la boutique. C'est le seul endroit où je pourrais vous recommander d'aller acheter. Donc là... Soit des graines avancées si vous en manquez, soit de l'engrais. Donc moi, l'engrais, en général, j'en fais deux couches quotidiennes. Parce que vous voyez, ensuite les gemmes montent. Hein. Donc là, j'ai utilisé 130 pour en avoir 10. C'est 130 pour en avoir 15. Je vais continuer jusqu'au bout. Puis 180. Voilà, on arrive ensuite à 440. Là, ça commence à coûter une blinde. On va s'arrêter là. L'idée, c'est d'aller en faire deux, euh, effectivement, quotidiennement. Euh, au maximum. Puisque les gemmes, vous le savez, ont de l'importance, alors après, on peut aller au-delà quand on est dans le rush de prière, hein, quand on a vraiment envie d'aller en récupérer un max, et là, bah, par exemple, vous voyez, j'ai des graines mortelles, hop, on va, des graines multicolores, on va les utiliser justement un maximum, pour pouvoir préparer et avancer sur notre rush de prière, alors là, j'en ai utilisé une, vous allez voir que la consommation est quand même assez faible, l'idée c'est d'en avoir au moins deux, ah, vous avez vu, ça m'en a très peu consommé parce que là on est l'engrais est en lien avec le temps, hein. ça c'est important à noter. L'engrais est en lien avec le temps et non pas euh, la parcelle, c'est à dire que plus le temps va être long, donc pour les graines exceptionnelles, plus vous allez devoir consommer de l'engrais par rapport au basique. Voilà, là je suis pas sûr qu'on arrive au bout. Si on arrive au bout, ici à mon avis, on en a plus. Voilà, on est à zéro, plus d'engrais de manière générale. Donc là moi je sais que je vais me reconnecter donc je vais continuer avec mes graines basiques, d'accord L'idée c'est d'abord commencer par les graines basiques en utilisant l'engrais normal. Quand je sais qu'après je vais pas me connecter tout de suite ou pendant un long moment, je vais lancer mes graines avancées et si et c'est ce que je vous recommande de faire, vous êtes dans votre dernière connexion quotidienne, c'est le moment d'aller lancer les graines euh, légendaires, exceptionnelles que vous trouverez ici. Donc ça nous a permis de récolter quand même une certaine quantité d'offrandes de fruits. On va les faire un petit point justement puisque ça l'idée c'est de les stocker on est encore en plein sprint de prière j'ai passé la première rotation je suis au deuxième tour et là je vous voyais je suis à 3300 il m'en faut encore disons 22200 pour arriver euh, justement à l'étape suivante donc on va aller les utiliser pour l'instant j'ai bloqué les dégâts de combo l'attaque globale ici je vais en enlever un pour utiliser moins de paniers de fruits et on va essayer d'aller récupérer des choses intéressantes. Donc, dégâts de compétences. Dommage, c'est pas pour ma classe. Et en même temps, on monte le niveau de statut, hein, ce qui va nous permettre au tour suivant de débloquer les SS. Euh, c'est pour ça que là, il est important d'utiliser des fruits. Allez, on continue. Et on a des dégâts d'acolyte. Hein. C'est pas mal les dégâts d'acolyte. Mais je veux du combo et de l'attaque globale. Il y a de l'attaque globale ici, 82%. C'est moins bon. On va essayer. Normalement, il faut. Ouf, là, il y a pas mal de bonnes choses. Hein. C'est dommage, là. 94%, 80%. Allez, on continue. On a peut-être dû bloquer l'attaque globale tout à l'heure, de... qui était en S. Et là, je me rapproche rapidement. Ouais, là, je vais la bloquer. À 90%, je suis obligé de la bloquer. Je vais refaire encore deux tours. Et là, j'ai de l'attaque globale en haut. Ok, donc ça va m'aider en attendant. Voilà, donc là, j'ai utilisé toutes mes offrandes de fruits. Et ça va me permettre de retourner dans le sprint de prière et de terminer voilà mon tour 2 et de récupérer surtout les fragments de reliques hein, qui vont être très importants. On récupère également... Tous les coupons. Et là, vous voyez maintenant le tour 3, c'est 25 000. Peut-être que j'aurai le temps de faire un troisième tour, vu que maintenant on est sur une semaine. Et puis n'oubliez pas de le faire, puisque les prières de clan ont aussi quand même un élément, sont quand même un élément très important, puisque vous allez pouvoir récupérer un maximum aussi de ressources par la suite. On va en 4-5, on va récupérer quand même des ressources assez intéressantes ici. Euh, donc on espère effectivement que. On va pouvoir à minima rester sur ce classement. Voilà ce que je vous recommande. Je synthétise les amis. Si vous connectez peu, privilégiez les graines exceptionnelles. Vous faites au moins déjà dans un premier temps les graines standard. Vous mettez euh, ce que vous donne, puisque vous avez un, un refresh au niveau des engrais normaux. Vous utilisez un maximum vos engrais normaux pour vos graines normales. Et puis. Vous allez vous déconnecter, boum, vous balancez au mieux de la graine exceptionnelle, sinon de la graine avancée. Si par contre vous connectez plusieurs fois quotidiennement, essayez de vider votre stock de graines normales avant d'aller attaquer. Et quoi qu'il arrive, la dernière connexion c'est de la graine légendaire. Vous pouvez comme vous faire voler vos légumes, donc soyez vigilant. Euh, voilà, globalement, c'est quand même pas excessivement intéressant hein, le vol pour l'avoir fait, mais bon, c'est toujours un petit truc en plus à prendre, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà comment optimiser au mieux votre manoir. Tout en préparant les rush prières en moyenne on peut s'attendre peut-être à un par mois donc quand celui-ci sera terminé les amis il faut vraiment que vous ayez quand même essayé de bloquer autant de choses que vous pouvez le reste stocker et ça vous permettra euh, d'obtenir un maximum de fragments de reliques euh, avec pour objectif hop de faire des recherches, ça c'est pareil, vous voyez j'attends, je suis à 199 920, j'attends pour aller terminer mes recherches et avancer euh, sur justement les reliques quand il y aura effectivement un event dédié aux reliques. Voilà, il faut faire très attention au planning. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a aidé, si ça vous a paru clair. Laissez le petit pouce bleu, le commentaire qui va bien, vous abonner à la chaîne bien sûr. Et je vous rappelle que à est Votre Allié, si vous investissez d'argent dans le jeu avec le code MUSH, c'est 5% de cashback supplémentaire et ça sera au minimum... 15% sur tous les achats jusqu'à 35%, ça monte très vite avec les dates d'extra cashback et le mode VIP. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le jeu. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les champignons.